Good morning! Allez, Iden et Nessus aujourd'hui, le Nishmat, Janine Ruth, Bat Fortune Mazal Fritna, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Lucienne Bat Reina, Claude Shlomo Ben Shalom, et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Gitin, Père Exaïn, Mishnah, Hey! Areze Giter Chalmenat, Chetitnili Matayim Zuz, Arezo Megoreshet Vetiten. Almenat, Chetitnili Mikan, Vead Shoshim Yom. Imnatnalo betor shloshim yom, megoreshet veimlav, ena megoreshet. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, maase betzidan be'echad shamar leishto. Areze gitech al menat shetitni li itzteliti ve'avda itztelito. Amru chachamim, titen lo et dmea. On continue avec le sujet des tnaïm dans les gitines. Maintenant, on va avoir plusieurs cas de tnaïm de conditions. C'est-à-dire qu'on a déjà expliqué qu'on peut faire dans la Torah. La Torah, c'est la possibilité de faire une action avec condition. Ça implique que tu établis deux éventualités devant toi. S'il va pleuvoir demain, alors la situation elle sera comme ça, elle sera blanche. Et s'il ne va pas pleuvoir demain, la situation elle sera noire. Et pour le moment, on avance et ça fonctionne. En l'occurrence, avec les guinguettes, ça veut dire que tu as rezé guiter almenat chetitnili matayim zuz. Un homme, il donne un guet à sa femme, que ce sera ton guet, mais à condition que tu me donnes 200 zouz, et si tu ne me donnes pas les 200 zouz, ce ne sera pas un guet. Eh bien, la Mishnah me dit, dans ce cas-là, eh bien, « Arezo megoreshet vetiten ». La femme, elle a un statut de divorcée, et elle donnera, quand elle le voudra, elle viendra par amener, elle finira par amener ses 200 zouz, et elle sera megoreshet depuis tout de suite. Ça veut dire quoi qu'elle est megoreshet depuis tout de suite? Alors, elle n'a pas le droit de, ça c'est plus écrit dans le Mefarshim ici, mais comme ça je me rappelle dans la Gemara, qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à la fin, elle ne va pas donner l'argent, et puis, elle n'aura pas été divorcée. Mais malgré tout, imaginez qu'elle a le guet en main, et que le guet se détruit, brûle. Ouais, il a donné le dimanche, elle a donné le guet. Et, avec cette condition, il doit lui apporter l'argent. À lundi, le guet brûle, jeudi, elle amène, elle donne l'argent, et bien elle sera quand même divorcée, cette femme. Parce que c'est important de comprendre que le guet a déjà été actionné depuis le dimanche, avec une condition que le jeudi, qu'elle aura fini, qu'elle donnera finalement l'argent qu'il lui a, la condition d'argent qu'il lui a donné. Parce que si il avait donné un guet, ce sera un guet quand tu m'apporteras les 212, si le guet est brûlé entre-temps, le guet n'est plus bon, parce qu'au moment où le guet doit entrer en vigueur, il n'existe plus. Mais là, quand on fait une action avec condition, l'action elle est déjà faite à 100% dans l'éventualité que ça se réalisera, d'accord? Donc même si le guet brûle ensuite, il n'y a aucun problème, elle sera quand même divorcée si elle, au final elle accomplit sa condition. Almenat chetitnili mikan va shloshim yom, imnatan lo betor shloshim yom megoreshet. Si lui dit maintenant je te donne le guet, mais que ce sera un guet à condition que tu m'apportes d'ici maintenant jusqu'à 30 jours que tu m'apportes 212, et bien dans ce cas-là, de nouveau, si elle apporte, imnatan lo betor shloshim yom, si elle lui a apporté au final dans les 30 jours, elle sera divorcée. Et sinon, elle ne sera pas divorcée. On ne va pas interpréter qu'en fait, qu'on a dit 30 jours, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle commence à le faire traîner. Non, on va expliquer qu'il a dit 30 jours, donc c'est la condition maintenant, ça dure pour deux, t'as que 30 jours pour le faire. Sur ça vient Rabban Shimon ben Gamliel, qui vient dire une phrase un petit peu pas assez claire par rapport à la Mishnah, qu'on va expliquer aussi. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, il nous a dit Rabban Shimon ben Gamliel, Maase Betsaïdan. Il y avait une histoire qui s'était passée à Tsaïdan, j'ai entendu Tsidon, je ne sais pas, Tsaïdan, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Be'echad j'amar l'ishto, un homme qui avait dit à sa femme, Areze gitech almenat chetnili steliti. Je te donne ton guet, et ce sera un bon guet, à condition que tu m'apportes mon manteau. Itstelit, c'est mon manteau. Mon frac, ma redingote. Que tu me le donnes. Que tu me donnes ma redingote. Ve'avda itstelito. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que son habit, quoi, eh bien, il s'est perdu. Ça veut dire qu'en fait, elle avait la femme, elle avait chez elle. Elle sera divorcée si elle va apporter ce livre à son mari. Et malheureusement, elle a peu le temps de apporter ce livre, cet objet, que le livre, il a été brûlé, il a disparu. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, viens, Rabban Shimon ben Gamliel, elle me dit, ben, il n'y a aucun problème. Vamrou Chachamim et Chachamim ont dit, face à cette situation, ils avaient dit là-bas, Titano et Dmea, ça va, tu as dit que tu allais lui donner un manteau, le manteau il n'est plus là, ben donne-lui la valeur d'un manteau. D'accord? Tu peux aussi remplir ton engagement en payant avec de l'argent. D'accord?
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.